la catégorie Innovation technologique et technique présentée par Vidéotron Affaires. Le premier prix de cette catégorie puis recevra une bourse de 10 000 $. Inin 9 Inc. de la région de l'Outaouais. Inin 9 Inc. incorporé région de l'Outaouais. Une entrepreneur aux traits de personnalité et aux valeurs lui permettant de s'adapter aux réalités entrepreneuriales, qui a fait preuve d'innovation dans le développement d'un produit technologique, un produit électronique, pardon, compatible tant en transmission qu'en réception. Alors, un projet fonctionne en émission et en réception, c'est quoi? En fait, c'est le E9 Audio. En français, c'est le E9 Audio. Dans le fond, c'est juste un convertisseur Bluetooth qui permet de rendre tout ce qui est audio analogue, que ce soit des vieux appareils ou des nouveaux, ça va les rendre sans fil Bluetooth compatibles. Donc, comme j'expliquais... Attends. Faut pas trop vite, là. Parce que moi, je viens de voir le vieux pick-up. Tu sais que tu peux piler des 45 tours de même puis qu'ils tombent un après l'autre, là. Hey, ça te dit rien, hein? Mais moi non plus, en fait. Donc oui, on peut... Des vieux affaires, des vieilles patentes, des... Les vieux pick-up, les nouveaux chars, ça peut les rendre Bluetooth, il y a un micro intégré, ça peut rendre les instruments de musique Bluetooth, que ce soit comme que vous disiez, que ça transmette ou que ça reçoit le son. Puis ce qui est le fun, c'est que ça peut envoyer jusqu'à plusieurs en même temps. Donc, je suis vraiment fière d'avoir pu développer ça. Mais même une vieille voiture là, qui n'a pas de Bluetooth? Ben, j'ai une vieille voiture parce que je suis un peu contre l'obsolescence programmée. C'est ma façon un peu écologique de réutiliser. C'est un peu comme les sarres plus à rien. Moi, ça me permet de, les vieilles autos, les vieux disques vinyles, n'importe quoi. Des instruments de musique, n'importe quoi. OK, vous êtes comme, tu sais, mettons, tu vas sur Facebook, là, puis là, tu vois une affaire, puis tu fais comme, ouais, il me semble, ça marche, là. Mais vous, ça marche, là. Oui, en fait, là, je suis très fière parce que là, l'étape de prototypage est comme presque finie, enfin. La production s'enclenche cet été, puis on va livrer parce qu'on a des précommandes déjà faites un peu à l'international, dans plusieurs pays. Puis là, j'ai hâte de pouvoir répondre à la demande directement ici, parce qu'on produit ici. Vous avez produit ça ici aussi? Oui, oui. C'est très, très cool. Bravo, félicitations. Bravo! Bien sûr, parce que c'est toujours le fun après ça d'aller voir sur Internet puis savoir quand est-ce que vous allez pouvoir avoir l'affaire Bluetooth là, pour que votre Chrysler Sebring 1985 soit rendu Bluetooth. C'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima, même 1990.